tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférence, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc., plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est toute trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davao, à 150 mètres environ de la pharmacie Davao 2 en allant vers le carrefour Ruinvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonambwe. Contact 97 33 25 43 66 21 00 22. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Lundi 7 août 2023, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à l'entame de cette nouvelle semaine dans votre émission La Rue Opine. Bonjour et bienvenue. La tricherie au sein du couple est-elle pardonnable? C'est la question du jour et top, c'est parti. Nous avons des familles qui sont des familles qui sont des ana jehan lo glita won ewe tu aso kudo ya me passé e mono jowe ndu pa no en mewe no dun teme ha me ru po gewe no dun teme passé ni mewe ro ndu deme tu kla no tin anfani no tin ha tu kla ke de we mi lo zan we dro mono do e mono do anfani de pe ni yon lo de fi mi ba ibo de ko me le ma de mo e de mi do mo lo ina kla fo yan ba ni La tricherie est impardonnable au sein du couple. C'est la source de nombreuses morts aujourd'hui. Il y a même des jeunes qui se cachent derrière l'amour ou l'argent et savent très bien que leur femme triche mais ne disent rien. Tout ceci finit souvent par la mort. Au temps de nos parents, les gens pardonnaient les cas d'infidélité. Mais aujourd'hui, tout a changé. Même si un homme pardonne, il finira par mourir. L'homme peut sortir avec le nombre de femmes qu'il désire, mais la femme appartient à un seul homme. Dans notre famille, quand une femme triche, c'est la tradition elle-même qui s'en occupe. Elle ne peut même plus revenir dans la maison. Donc c'est impardonnable parce que quand elle commet cet acte, c'est l'homme qui meurt souvent, mais d'autres familles arrivent quand même à sauver leur enfant. Nous sommes tous les gens qui ont été assoués.
Impardonnable. La tricherie au sein du couple a plusieurs sources. Parfois, il y a les infections ou parfois même des ambitions démesurées. Si dans l'un ou l'autre cas, la femme triche, alors c'est fini. Elle doit partir. Si un homme accepte une telle femme dans sa chambre, il ramassera certainement les pots cassés. Donc, à Didi Mekou, elle en coup. Elle a bien fait l'audien. Son silo est bien. Elle a gagné au couloir ou bien en oui. Ne y sous-soueille. Donc, Une femme mariée qui triche, on ne peut pas pardonner cela. Aucune famille ne peut accepter une telle situation. En tout cas, moi je ne peux jamais pardonner. Si je pardonne, c'est sûr que je vais mourir. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas donner. La tricherie au sein du couple est impardonnable, il faut le dire. La femme appartient à un seul homme, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Surtout, nous les conducteurs de Zim, nous sommes très minimisés. Compte tenu de nos moyens limités, nos femmes se laissent courtiser par d'autres hommes. Personne ne peut pardonner cet acte en tout cas. Amis et fidèles de l'émission La Rue Opine, pour ce premier numéro de cette nouvelle semaine, c'est terminé. Vous avez suivi avec moi les avis des uns et des autres sur le sujet. Et vous, quelle est votre position? Merci de nous répondre en commentaire. Likez et partagez avec d'autres amis pour avoir eux aussi leur avis. Bonne suite de programme à vous sur guerritatvmonde.bj. À bientôt.